Yo les gars, c'est Sagli et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur Battlefield 1 en domination avec, je pense, l'un des snipers les plus dévastateurs de ce Battlefield. C'est le Martini Henry qu'on débloque donc niveau 10 de la classe éclaireur. C'est le dernier et franchement, vous allez voir qu'il va faire très 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 mal. Enfin, du moins, si j'arrive à me démerder et qu'on arrive à faire quelque chose, hein, bien sûr, parce que sinon, ça risque d'être un peu le malaise. Alors, sur ce sniper, il faut savoir qu'il one shot à entre 30 et 80 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises de tête. Sinon, si tu tires au corps à corps, c'est à peu près. Attends, mais je suis con. Ah, ouais, mais on l'a pris déjà, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, voilà, je me suis embrouillé. Voilà, non, si t'es au corps à corps, ouais, il fait du moins 90, donc bon. Ce qui est quand même plutôt correct parce qu'après tu sors ton arme secondaire, tu mets une balle et normalement ça suffit. Donc bon, franchement c'est le top. Bon après en domination, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de combat à très 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 longue distance. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, pour le moment on n'a pas vu d'ennemis. Waouh, par contre ça tire là vers ici. On va essayer quand même de prendre la position. Oulala. Ouh, je crois qu'il y a du monde ici. Je veux pas dire, mais là avec toutes ces flammes, je vais essayer de voir au loin. Ah et oui, aussi ce sniper, il a la particularité de ne pas avoir de visa optique. C'est vraiment le seul. On peut juste laisser uniquement la mire. Alors le médecin s'il te plaît qui est... Ah ouais, il se barre, d'accord, 16, 18, mais ah ok, il s'est barré. Je pensais qu'il allait venir cet enfoiré. Non, 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 il a rien à foutre. Bon, on va retourner sur B du coup. Putain, par contre en domination ça tourne très très vite là. Les points, il faut tout le temps les chercher. Ah, oh putain, alors lui il fallait le voir hein. Oh, putain la vache. Allez, petit one shot là. La mise en repria aussi hein. Ok, là tu vois, là lui normalement, on aura peut-être pas le one shot là d'ici. Ça serait déjà bien de le toucher. Voilà. Bon, il était low, mais. Aïe, derrière, derrière. Qu'est-ce que. J'avais pas d'allié avec moi. En plus, je crois que je suis le vilain petit canard, genre j'ai même pas d'escouade avec moi. Alors je suis tout seul. C'est trop triste, personne va rejoindre mon escouade. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Et par contre, s'ils nous mettent une triple cape, ça va pas le faire là par contre. On va vite s'empresser de prendre C et de faire le tour sur A. T'as le problème, cette map c'est un truc de fou. Pour voir les ennemis s'ils étaient allongés comme le premier que j'ai tué là, mais c'est la mort assurée. Je vais essayer de les sniper de loin, voilà là, lui. Ouf, j'ai galéré. En fait, je pense trop à les marquer en premier temps, mais pff, franchement, moi ça bug de ouf marquer. Hein. Franchement. Il y a des moments où ça marche pas du tout. Alors je sais pas s'il va y avoir une mise à jour par rapport à ça, s'il y a que moi qui ai vraiment un problème. Enfin non, je crois pas parce que j'en avais parlé en stream et les gens me disaient aussi qu'ils avaient des petits problèmes des fois pour marquer les ennemis. En tout cas sur console. Ah, il est là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Ah, en plus en ce moment je prends l'habitude de jouer sur PC. Là je suis sur PS4, bah, j'ai pas encore le Martini sur PC. Donc c'est vrai que du coup des fois je donne des petits à-coups de joystick. Mais c'est vraiment pas Charlie quoi. Ah putain, y'en a sur C, y'en a sur C. On va mettre ça, hop, comme ça on va voir un peu où ils sont, on aura les infos. Là. Ok, là je l'ai one shot. Mais il était déjà bien touché. Allez, on prend C. S'il vous plaît, allez les copains. Même si personne veut être mon copain, personne veut venir dans mon escouade, c'est pas grave. Je vais quand même vous appeler mes copains. Là. Voilà, bon là, je lui ai mis une balle plein front. En fait, le mieux ce serait de défendre un objectif quoi. Enfin, vraiment de rester un objectif parce que vraiment en domination, pour avoir fait quelques petites games, parce que c'est la première fois que je joue réellement en domi, vraiment ça fait que tourner en fait. Ça fait genre, on dirait qu'on court, tu sais, genre chacun sans aiguille d'une montre. Enfin, on va commencer par exemple sur B, on va prendre A, eux ils vont prendre C, après ils vont prendre B, en fait, tu vois. Enfin, c'est un truc genre infini quoi. Hop, toi je t'ai vu. Bon, par contre, là je vais sortir le. Putain, personne le voit. Ah, merci. Putain, j'allais dire, les gars. Oula. Est-ce qu'il y a pas des ennemis par ici? Si, là-bas. Putain, mais il faut les voir, hein, les enculés, là. Oh. Et ben voilà. C'était sûr. Putain, et en plus, personne n'a tué le gars que j'ai touché, quoi. Moins 90, et il y a rien qui se passe, quoi. Et le problème aussi, c'est que je veux trop rentrer dans le tas avec le snipe. Et justement, avec lui, il vaut mieux essayer de prendre un peu de recul. Mais bon, quand je vois que des fois, les alliés prennent pas les positions, ça me... Ça me rend malade, ça m'est sur les poils. Peut-être qu'il y en a sur A. Ouais. Ah, c'est compliqué avec la mire, hein, par moment. Ah là là là, lui. Genre. Voilà. À partir de là, ça part de là. Ok, ils sont en train de prendre A. Écoute, je vais essayer de sniper B de loin au cas où. Parce que, comme je vous ai dit, des fois, c'est. On prend une. Ah non, ils sont sur C. Ils sont pas sur B du tout. Ah. Ouf.
Ah, j'étais pas bien là. Il y a une petite fusée qui est rare et me rapprocher un peu. Attends, je vais m'allonger. Attends, je vais faire comme eux, je vais me cacher quoi. Tu vois, il m'a pas vu. Allez, regarde. Hop, ni vu ni connu. Je vais attendre qu'il parte de C. Oh là là là. Il est où? Putain, merde, je suis bloqué par un arbre, bordel. Il s'est bloqué dans l'arbre, voilà, il a fait exactement ce que je fais y faire. Nickel, on peut aller prendre C. Là, on sait que les ennemis sont sur B, mais par où ils vont arriver, ça c'est la bonne question. Parce que s'ils arrivent droit sur moi, je suis pas bien. Allez, gros, tu dégages. Vas-y, monte-toi, monte-toi. Ah putain. Alors, par contre, j'ai tiré un peu pour rien là. Je vais faire plutôt le tour là, parce que. Non, il y a l'air d'avoir des ennemis ici aussi. Ouais, 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 ils sont là. Ah, j'ai envie de lui couper les ailes à lui, non. Ah là, là là, mec, meurs. Oh putain, ils sont tous là. Alors, je vais essayer d'aller. Oh là là, mais ils sont trop. Ils sont trop nombreux là, par contre, pour le coup. Oh putain, mais ils sont combien les enculés. Attends, je vais rester allongé, on va voir. Si je reste allongé, genre. Ah. Enculé. J'entendais un mec hurler, mais je me dis, mais il est où le bonhomme? En fait, non, il était derrière moi, l'enfoiré. Putain, par contre, en termes de position, ça va. Non, non, ça va pas. S'ils sont en train de reprendre B. Et voilà, tu vois, là, ils font. Arrête! Et là, ils vont tous venir sur A. Donc, putain, en fait, c'est vraiment compliqué là. Il faut que j'essaye de me mettre un peu à couvert. Et je les aligne de loin, quoi. Nous avons perdu l'objectif. D'accord! Mais mec! Pourquoi genre il m'a attendu que je le regarde pour qu'il me tue, genre je sais pas, il voulait voir mon regard avant que je meure, j'en sais rien. Le mec peut-être c'est son kiff. Putain l'enculé, genre il m'a regardé, genre on aurait dit un pigeon qui était posé, j'étais là. Avec sa petite tête penchée là. C'est quand même serré mais. J'ai bien peur qu'ils peuvent remonter en 2-2 là les garçons. Là je vais essayer de me mettre en hauteur un peu plus éloigné, être un peu plus précis, ça sera plus. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus raisonnable. Parce que là, je suis pas raisonnable. Ah, d'ici là, j'ai peut-être un bon angle. Ah non, on prend. Ah, donc là, ils prennent. Ok, ok. C'est quoi? Je vais retourner là où j'étais. Et je vais aligner les mecs sur B. Ça sera beaucoup plus intelligent. Enfin, du moins, si je les vois. Ouais, là-bas. Voilà, les bons one-shot qu'on aime. Y'en a pas d'autres? Sérieux? C'est obligé qu'il y en ait d'autres, c'est obligé. Bon mais non, écoute, les alliés prennent B. Ah bah. Ah, un peu trop loin là. Nous avons pris l'objectif verte. Putain, là, juste ici. Voilà, nickel, au moins l'allié. Du moment que les alliés mettent juste 10 de dégâts sur les ennemis, moi ça me va parfaitement parce que du coup je suis assuré de les one shot. Ça c'est super important du coup. Hein. Bon, je vais essayer de prendre C. En fait, je me contredis, mais genre totalement. Ouais, non, il faut que je me mette loin. Et au final, genre je me mets vraiment en plein milieu du point. Là. T'as moins 93. C'est plus logique quand même de sortir son arme. Parce que vraiment le Martini il est quand même assez loin en termes de. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu recharges vraiment une balle par une balle, mais à chaque fois ça te prend genre facile. Quoi, 3 secondes hein, on va dire sans exagérer. Par contre il est parti où le mec? Allez bim dans le cul. One shot, dans le one shot ça one cul aussi que. Non. Oula, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Dans le cul ça one shot aussi, je voulais dire. Oulala. Et on est en train de gagner, hein. Ils doivent tous être sur A, je pense. Je préfère prendre du recul et faire gaffe à C et B. Ah, je vais plus aller sur B, je pense. Nous sommes en train de perdre l'objectif Célestin. Ah non, Célestin, évidemment. Évidemment, c'est le point C. Je dis que c'est B, non, c'est C, évidemment. Évidemment. Bon, mais voilà, victoire. Putain, pour une fois que je tombe pas avec des alliés un peu trop stupides là, parce que. Oh, les alliés par moment. Tout à l'heure, j'ai fait une partie de domination. On a.
Genre, j'ai jamais vu une partie aussi rapide. Je crois qu'on a perdu 30 à 100, un truc comme ça. Mais genre, tu te dis, non mais les mecs, vous foutez de ma gueule ou quoi? Bon, et bien voilà pour ce Martini. Va falloir vraiment que j'essaie de vous le présenter quand on sera en conquête. C'est vraiment là où ça devient le beaucoup plus intéressant. Parce que c'est là où il y a des combats un peu plus éloignés. Et du coup, 80 mètres, généralement c'est là. Enfin, moi je rage quand même pas mal. Mais si tu essaies de défendre bien les points en conquête, tout ça. Les 80 mètres tu l'as et du coup t'as le one shot assuré. Et ça c'est cool, bon, un petit 17-7. C'est pas dégueu, c'est pas non plus ouf. Et puis voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette présentation donc du Martini, voilà, sur BFN. Donc le dernier sniper de la classe éclair qu'on a au niveau 10. Voilà, tout simplement, et qui fait carrément plaisir, qui a un bruit d'enfer, qui a vraiment son petit style à lui, son petit charme. Et ben voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi je vous smoke tous, allez ciao les gars.